Le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, invité en Guinée-Bissau à son départ à l'aéroport international Léomba de Libreville, le président de la République a été salué comme à l'accoutumée par les autorités civiles, en tête desquelles le vice-président de la transition, suivi du chef du gouvernement de la transition et de l'équipe gouvernementale ainsi que des autorités militaires. Sur sollicitation de son homologue Oumaro Sissoko Embalo, le président de la transition prendra part aux festivités marquant le 50e anniversaire de l'indépendance de ce pays de l'Afrique de l'Ouest et ainsi que les journées des forces armées. Le Gabon et la Guinée-Bissau entretiennent des liens étroits de coopération et partagent le même élan en ce qui concerne la lutte contre les changements climatiques et la préservation de l'environnement. À Bissau, la capitale, plusieurs chefs d'État sont attendus, Comores, Portugal, Sénégal, Congo, Nigeria, Sierra Leone, entre autres. Occasion pour le chef de l'État gabonais de présenter à nouveau le Gabon sous son nouveau jour et ses ambitions de développement inclusif.